Bonjour, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Radio Télésolidarité, et que non, moi c'est Bonatop, je dis à que nous très content pour nous gagner Myriam Augustin avec nous, une étoile dans la communauté haïtienne pour entretien dans Radio Télésolidarité. Fait que Myriam, bonjour. Bonjour, frère Bouchon. Myriam, est-ce que tu vas présenter peut-être brièvement aux téléspectateurs et téléspectatrices de Radio Télésolidarité. D'accord. Merci, Frère Buto, pour inviter moi, pour nous faire parler ça. Et je salue tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Bon, moi, c'est Myriam Augustin. Moi, fait en Haïti. Moi, vim ici depuis moi très jeune, parce que parents m'ont été obligé de quitter Haïti quand j'étais petit monde. Et puis, donc, moi, fait majorité d'études moi ici aux États-Unis. Excusez-moi, et moi, spécialité, c'est en éducation, particulièrement comme profession. Moi, enseigner ici dans différents niveaux, depuis le niveau élémentaire jusqu'à niveau universitaire, et qu'on y a enseigné dans l'université ici. Et moi, diriger des programmes en éducation ici, par exemple. Moi, par exemple, pendant 7 ans, moi j'étais directrice d'un programme qui était le HABITAC, qui voulait dire Haitian Bilingual ESL Technical Assistance Center, qui était basé dans City College, côté que nous avons servi communauté qui a servi les Haïtiens, côté que nous avons appris l'anglais comme deuxième langue, à travers l'État de New York. Donc, nous avons fait un pile différents travail dans ça. En tant qu'éducation, moi j'ai fait en pile dans la formation des enseignants, côté comme ça, en pile atelier, conférence, moi préparer mon capitaine professeur, moi fait développement curriculum, moi fait traduction de matériel éducatif de anglais à créole ou bien de créole à anglais. Et en pile différent de bagay. Nous faisons en pile travail avec parents tout. Nous avons fait en pile travail avec parents dans la communauté. Hein. Et puis nous avons fait des travaux pour développer le leadership parmi les jeunes haïtiens dans la high school ici dans New York. Dans la ville de New York, avec Long Island, nous avons fait ce type de travail. Ça. À part de ça, moi j'étais venu quitter New York, moi j'étais allé vivre et travailler en Afrique dans plusieurs pays. Donc moi travaille dans 12 pays en Afrique de l'Ouest, moi travaille tout en Afrique du Sud. Côté encore, c'était des bagages surtout dans la formation des enseignants, l'autre bord. À différents niveaux, tu as des formation des enseignants en ce qui concerne différents bagages. Tu as une là d'ailleurs, c'était pour montrer aux professeurs comment pour développer ça, les standards, donc qui. Je vais changer mon standard là, en créole pour développer un système standard, pour standardiser le système scolaire. L'autre, c'était. Former professeurs, comment que un système scolaire qui voulait améliorer la qualité professeure, ce qui ça été capable de faire pour être capable d'améliorer la qualité éducation pour être capable de professeur pour être capable d'aller dans la salle de classe pour enseigner. Et puis en plus de ça, je fais quelques travaux en Haïti, côté que je vais enseigner dans quelques universités, particulièrement université publique là, en Haïti. Je travaille dans l'université publique là, au Cap Haïtien, l'université publique au CAI. C'est à travers le projet que CUNY a gagné depuis après le tremblement de terre en Haïti, hein, que chancelier Goldstein, après ça, a décidé que l'État développe une collaboration entre CUNY, qui c'est système université publique pour ville New York. Là. Donc entre CUNY avec système université publique en Haïti qui est différent de l'université d'État. Ouais. Donc, dans mon contexte, je suis enseigné professeur et puis je suis enseigné dans l'autre projet encore. À part de ça, je travaille avec quelques petites écoles d'où en Haïti côté que je fais formation des enseignants. Professionnellement, dans le sens de. Dans le sens de profession, moi c'est ça. À part de ça, moi c'est chanteuse tout. Côté que longtemps, moi j'étais qu'on fait un pile, moi j'étais qu'on chantait avec différents groupes dans la communauté, hein, danser tout, fait travail culturel et communautaire, développement communautaire dans la communauté New York. Hein.
Donc, félicitations. Réellement, l'homme dit si on étoile, sans étoile, vraiment, peut-être que la communauté à bail. Non, Miguel. Bon, Miguel, est-ce que tu as dit nos journées jeudi à et comment femme noire qui réussit dans ce système-là, moi, que vous rentrez petit, que vous ne tout pas avec vous faire, ou professeur d'université, ou dans la culture, tout le bagage là-haut, qui j'en matin, dit qui continue à suivre comme femme noire? Bon. Comment Martin Luther King, Dr. Martin Luther King continue à inspirer moi en tant que femme noire. D'abord, moi, j'ai un pile gratitude pour le travail que Dr. Martin Luther King, avec tout l'autre monde qui était entouré, qui était fait le travail que j'ai fait dans les années 60. Okay? Et comment ça continue? C'est que une continuité pour moi, c'est pour moi être veillatif, pour moi être avec une conscience qui m'était moins, qui permet moins ouais. Problème nan yo et permettre moi ouais au jour le jour, ça veut dire chaque jour dans vie moi qui ça que me capable faire pour moi aider à améliorer situation pour l'autre monde, ça veut dire que si m'a enseigné un monde OK et que gen des différents problèmes sociaux avec injustice qui a fait dans société hein, nécessité pour que moi incorporer problème ça yo avec nos discussions, avec nos lectures que élèves étudiants moi yo a fait pour yo capable réfléchir sur bagage ça, pour yo capable voir qui gens dans qui contexte que yo pral yo même enseigner ti moun nan yo, pour yo capable traiter chaque ti moun qui devant yo en tant que on être humain complet que moun sa yé pour ça m'a dit là, et non pas pour y continuer comme si m'ta dou en qualité bagage que Martin Luther King qui était gourmet contre lui pour et non pas pour que y continuer par exemple traiter un ti moun noir de façon inférieure comme si son ti moun qui inférieur, mais plutôt pour yo combine connait que chaque ti moun qui devant yo c'est un ti moun complet qui gagne l'esprit bon Dieu en lui-même en tant que tel pour yo respecter en tant que tel pour yo gagner yon approche qui basé sou remè et sou acceptation et puis la fini comment nous capable vraiment aider ti moun sa pour lui développer nan sa ke li nan pi grand bagage que capable développer tête li sous terre. Ouais, donc son travail pour moun conscient tout temps pour réfléchir pour être conscient de ça et conscient de qui wall par pour continuer travail ça que Martin Luther King t'ai commencé à. Bon, bah on a une question de quelques conseils pour les parents et tout. Ouais, parce que les parents qui ont été éducatrices scolaires, que les petits qui allaient à l'école, que parfois pour une raison ou pour l'autre. Parents qui ont même reçu des invitations de l'école là, que n'ont pas capable d'aller pour des réunions. Bah on a une question de quelques conseils pour les parents. Bon, pour les parents haïtiens, non. Communauté, moi t'as rien mais dis question ça allait dans plusieurs aspects mais allons essayer si t'es capable centrer. Ok, on connaît que parents parfois y a des doivent pas capable aller dans réunion par réunion qui vient pour parents dans l'école yo, parce que y a des parents qui gagnent 2-3 jobs de yo, on n'a pas compris la situation ça. Mais ça qui est important c'est pour parents gagner une relation qui basée sur remè, basé sur communication avec confiance avec Timon. Pour que ça fait, faut gagner communication. Ça veut dire, lors rentrer ou un petit temps pour parler avec Timon, il faut parler avec Timon pour comprendre qui ça Timon a passé dans la journée, qui ça l'a fait, qui ça l'a aimé, qui ça l'a pas aimé, qui ça Timon a aimé fait. Ouais. Donc c'est pas une question de pour parler dit ti moun seulement qui ça pour ti moun nan fait qui ça pour ti moun nan pas fait, mais ça li important pour gagner un échange pour capable connait qui ça ti moun nan penser qui ça ti moun nan ta remet qui gentil ti moun nan sentir au niveau émotionnel pardon si ou pas permettre ti moun nan pour communiquer pour ouvrir cœur ba ou OK li pas capable faire et pour capable ouvrir cœur ba ou faut que relation gen avec ou pas basé sur batte sur punition sur jugement. Faut que relation basée sur confiance, sur remè. Malgré que ti moun nan gen droit konnen que gen de bagay li capable faire que parent gen droit pas content, parent gen droit punir. Ça m'a dit pas veut dire pour pas gen punition non, mais faut bon balance nan bagay la yo. OK? Donc ça c'est un bagay. Donc là par exemple mande ti moun nan chaque jour ou bien chaque fois pour ouais avec lui, qui ça le fait l'école, qui ça qui était bon, qui ça qui pas bon, qui ça li apprendre, qui nouveau bagay li apprendre jodi hein, par exemple. Ouais, ça montre ti moun ko intéressé nan ça la faire même si ou pas parler anglais correctement hein, mais li bon que ti moun nan connaît que ou intéressé. Par exemple parent qui la le soir la kay li avec ti moun nan yo, li important que
Le timon a fini de faire le vol pour demander timon à montrer au devoir. Le timon a rentré la caille les après-midi pour demander est-ce qu'on a un devoir aujourd'hui? Professeur, on a dit qu'on a un devoir chaque jour. Donc, pour qu'il ne soit pas un devoir aujourd'hui, il faut poser timon en question pour timon connaître que wap veiller et que veiller ça, c'est dans l'intérêt. Parce que s'il pas fait travail, c'est lui-même qui n'a pas réussi. Et je connais que parents haïtiens qui viennent ici pour travailler dur, c'est pour capable permettre que Timon ait une meilleure vie, ok, que nous-mêmes. Et là, pour avoir une meilleure vie, il faut travailler bien, ok. Donc, tout bas, ça est important. Et communication que m'a parlé là, pas obligé faite en anglais, parce que langue que nous parlons puis bien, c'est créole. Donc, bien important que nous parlions langue nous avec Timon pour que nous capable exprimer tête nous bien pour Timon nous comprendre, ok. Tandis, au contraire, contrairement à certains parents qui pensaient que faut parler anglais avec Timon, ok. Ou bien doit parler anglais avec Timon, sans parler anglais. Bien, ok, mais si vous parlez anglais bien, li pi bon pour ni ou même ni timoun nan que vous parlez un bon créole, j'en connais là avec timoun nan, comme ça timoun nan a bien créole, li bien développé et puis la capable venir apprendre anglais après ça et puis comme ça la capable aller plus loin. Bon, je ne sais pas si c'est mon message pour jeunes youtube, pour jeunes youtube parce que réellement, moi je suis ici petit, ou à l'école, ou que ça s'abat comme résultat parce que même les gars parlent de racisme. Que bon, nous ne disons pas exister, mais que le dépôt d'éducation ne prend pas quelque chose. Je me souviens, message pour les jeunes, des jeunes pour t'encourager, pour t'apprendre à faire l'école vraiment au sérieux. Bon, message pour les jeunes, que je suis capable de dire, qui viennent dans la tête, là, je pense que je commence par. Ça y aurait l'amour de soi en français, ok? C'est idée de petit monde yo remet tête yo accepter tête yo j'en yo hier, ok? Parce que l'on remet tête ou donc on connaît que bon qualité bagay qu'on pas le faire parce que sous remet tête ou t'as remet que tête ou développer pour capable venir bagay demain pour capable utile société hein? Que c'est ici que sont l'autre côté quoi développer plus tard, ok? Pour capable faire ça faut que ou bon poser en profession, faut pour capable arriver en profession il faut qu'on travaille bien l'école. Et pour travailler bien l'école, on ne peut pas travailler bien l'école peut-être on l'autre monde dit pour travailler bien ou bien peut-être on l'autre monde a beau cadeau, a beau bagage comme ça. Mais alors travailler bien l'école, c'est parce que vous remettez tout et que c'est parce que vous méritez. Ça et effort de sortir dans ou même comme ça l'autre monde a venir aider ou comme ça tout l'autre porte a venir ouvrir pour vous. Par exemple un petit monde qui travaille bien l'école capable arriver gagner des bourses, ok, qui vient capable recevoir des bourses pour capable aller dans l'université pour faire étudier côté pour pas obligé à prendre prêt dans la banque pour un paquet de dettes pour graduer, toute une série de bagages comme ça. Donc pour moi même bah ça a commencé par valoriser tête nous, ça veut dire que nous gagnons, ça veut dire en anglais self esteem. You have to, for the young Haitians, it's important for you to love yourself, to have a good self-esteem, to know that you are worthy. Okay? Pour nous connaître que nous méritons, que nous avons dit que nous connaissons que nous gagnons valeur. Nous gagnons valeur. Et que sous gagnons valeur, donc nous avons fait des comportements, nous avons comporté quoi nous en tant que monde qui connaît que nous gagnons valeur. Mais surtout nous-mêmes, nous soutenons histoire côté que les ancêtres nous font pas qu'un bagage extraordinaire dans le monde là. Okay? Et pour le monde là. Donc là, nous connaissons ça. Là, nous connaissons ça. Donc nous n'avons pas de qualité de comportement, nous pas capable de gagner. Il faut nous respecter tête nous. Pour nous respecter l'autre monde, parce que si vous pas respecter l'autre monde, vous n'avez pas besoin de respecter. Donc, you have to respect yourself, respect others, okay? Carry yourself well, do your school work, okay? Apply yourself, do the things that you are being taught to do, so that you can accomplish your dreams later. No one can stop you if you do those things. Thank you. Myriam Nabdo, merci pour nous dire ça. Et n'a pas appelé pour téléspectateurs, téléspectatrices sur Radio Télévision. Myriam entre ici très 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 jeune. Même quand elle dit nous que le parler français, même j'ai avec français. Elle finit tout que c'est un monde vraiment qui est intégré, qui étudie en pile, qui visite un paquet de pays. Et Centre National là, t'es honoré le tout dans un gala qui t'est fait dans fin mois de décembre. En un mot, Myriam, c'est vraiment un exemple pour tout jeune vraiment qui a bataille pour une bonne éducation dans le pays, pas bon ici. Pour tout le jeune noyau. Oh.
merci, merci, on te dit merci, merci, on te dit merci. C'est où pas la vie, on te dit merci, merci, on te dit merci, merci, on te dit merci. Haïti nous y'a congé pour garçon, 8 têtes dans par jour. Faut le faire supplémenter pour pouvoir moucher, ça c'est trop bâton. Pour saber d'une face, Haïti fait vite, c'est des factories. Femme d'Haïti, merci, merci, femme d'Haïti, merci, merci, femme d'Haïti, merci. C'est où pas la vie, c'est où pas la vie. Femme d'Haïti, merci, merci, femme d'Haïti. Merci, merci, on va y merci. Nous comprenons bien. Maman, côté petit, et sans papa, il y a Papa, nous ni pas pays. Nous comprenons valeur.